Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Quand on prend soin de soi, chaque petit geste compte. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un soin protéiné pour les cheveux, un soin 100% naturel. Pour préparer ce soin, vous aurez besoin entre 3 à 4 cuillères à soupe de riz et 2 cuillères de fenugrec en poudre. Lavez votre riz et ensuite, ajoutez une bonne quantité d'eau dans une casserole, ajoutez votre riz et ajoutez la poudre de fenugrec. Mélangez le tout et bien sûr, laissez bouillir jusqu'à ce que le riz soit totalement cuit. Mais bien sûr, laissez avec une bonne quantité d'eau pour bien sûr pouvoir mixer sans problème. Dès que le riz est bien cuit, je vais tout ajouter dans un mixeur et bien sûr, je vais venir ajouter quelques morceaux d'avocat qui va venir jouer un rôle protéiné aussi dans ce soin. Je mixe le tout et je vais filtrer à l'aide d'un bas-culotte car c'est beaucoup plus facile de filtrer et ne plus avoir de résidus à partir du riz et du fenugrec qui sont connus pour laisser beaucoup de résidus. Le riz présent dans ce soin va vous aider à non seulement garder les cheveux en santé, mais aussi apporter l'élasticité aux cheveux. J'ai ajouté une cuillère à soupe de miel qui est un émollient naturel, aide avec l'hydratation. Une cuillère à soupe d'huile de ricin noir qui est efficace pour volumiser les cheveux, mais aussi accélérer la pousse. Et quelques gouttes d'huile essentielle de girofle qui accélère la pousse, mais aussi lubrifie la fibre capillaire. Voilà, elle est prête, votre recette, et vous pouvez l'appliquer sur des cheveux humidifiés. Vous pouvez l'appliquer, bien sûr, avant ou après shampoing, comme ça vous chante. Mais c'est un soin qui peut s'appliquer soit avant, soit après. Ce soin est un soin protéiné et on ne peut l'appliquer qu'une fois dans le mois. Après application de ce soin, vous pouvez laisser poser sous un bonnet plastique pendant 45 minutes environ ou vous pouvez laisser poser sous un casque à vapeur pendant près de 20 minutes. Ça laisse les cheveux super doux et bien sûr diminue la casse. C'est très bien de prendre soin de ses cheveux, mais rappelez-vous, la santé de votre corps, la santé de vos cheveux commence à partir de votre assiette. Mangez beaucoup de fruits, mangez beaucoup de légumes, mangez santé et vous verrez que vous aurez de très bons résultats pour vos cheveux. Buvez beaucoup d'eau et restez en santé. Un corps en santé produit des cheveux en santé. À bientôt la famille.